Eh bien bonjour à tous, je pense que vous devinez de quoi nous en parler aujourd'hui en voyant cette image, on va effectivement parler de la mythologie grecque. On va donc voir les dieux et les déesses grecques par génération et on va commencer tout de suite avec un arbre généalogique. Alors sur cet arbre on s'aperçoit que la première génération est composée de Uranos et Gaïa, à savoir que cet arbre n'est pas complet puisque Gaïa aura d'autres enfants avec Pontos, le frère d'Uranos, que nous ne verrons pas dans cette vidéo. La deuxième génération est composée des cyclopes, des titans, dont les plus connus sont chronos et Rhea, et des hégatonchires. La troisième génération est composée de Poséidon, Déméter, Zeus, Héra, Hades et Hestia. C'est d'ailleurs la première génération de dieux olympiens. Et enfin la quatrième génération est composée de Perséphone, Ares, Héphaïstos, Ilyssie, Hébé, Dionysos, Athéna, Hermès, Artemis, Apollon et Aphrodite. Dans une deuxième partie, nous allons voir la première génération avec Gaïa et uranus. Tout d'abord Gaïa. C'est son nom grec ou Tellus pour les Romains. C'est la mère et l'épouse d'Uranos, le dieu du ciel. De leur union naquirent les Titans, les Cyclopes, les gros monstres avec un seul œil, et les Écatonchires, les monstres avec cinquante têtes et cent bras. C'est la déesse de la terre. Elle donne à Cronos la faucille qui permet de castrer Uranos et lui prédit également qu'un jour il sera détrôné par l'un de ses enfants. C'est donc pour cela que Cronos avalera systématiquement tous ses enfants. Uranos, alias Uranus. C'est le fils et le mari de Gaïa. Il est le dieu du ciel et fut émasculé par Cronos qui voulait prendre le pouvoir. Selon certaines légendes, de sa semence déversée sur la mer naquit la déesse Aphrodite. Ensuite, dans une troisième partie, nous allons voir la deuxième génération avec Rhea, Cronos, les autres Titans et les Cyclopes et les Hécatonchires. Alors, tout d'abord, Rhea, alias Sibylle. C'est la fille d'Uranos et Gaïa et elle est mariée avec Cronos. C'est une Titanide. Réa en a marre de la tyrannie de Cronos qui avait mangé ses cinq premiers enfants et décide alors de cacher le sixième en utilisant une ruse. Elle donne une pierre à manger à Cronos au lieu de l'enfant qui deviendra plus tard Zeus et reviendra libérer ses frères et sœurs et mettre fin à la domination de Cronos. Cronos, alias Saturne. Il est le fils d'Uranos et Gaïa et l'époux de Réa sa sœur. Une fois le pouvoir conquis en émasculant son père, il enferme les cyclopes et les écatonchires dans le tartare. Il mangeait ses enfants à cause de la prédiction de sa mère, qui lui avait prédit qu'un jour il perdrait le pouvoir d'être né par l'un d'entre eux. Une fois vaincu, il fut enchaîné dans le Tartare. Ensuite, les titans. Les titans sont au nombre de douze. Six titans et six titanides. Nous avons vu Rhea, il nous en reste donc dix. Tout d'abord Hyperion et Theia, qui auront Hélios, le dieu du soleil, Sélénée, la déesse de la lune, et Eos, la déesse de l'aurore. Coeos et Phoebe auront Leto et Asteria, Leto qui deviendra plus tard la mère d'Artémis et d'Apollon. Océan et Tétis auront Métis, qui deviendra plus tard la mère d'Athéna. À noter qu'Océan est le seul titan qui ne prendra pas part à la guerre qui opposera les dieux olympiens aux titans. Japé et Thémis auront Prométhée, qui volera le feu des dieux pour le donner aux hommes, et Pimétée, qui épousera Pandore et Atlas. Crios et Euribie auront Astreos, Pallas et Persès. Thémis et Zeus qui auront les trois moires, ou les trois parcs chez les Romains. Ce sont les tisseuses de la destinée. Il y avait Clotho, la fileuse, qui créait le fil qui symbolisait la vie de chaque être humain. Elle est souvent représentée comme une jeune fille. Lachesis, quant à elle, elle veillait au déroulement de la vie des hommes. Elle est souvent représentée comme une femme d'âge mûr. Atropos, elle, couper le fil de la vie avec ses ciseaux, elle est souvent représentée comme une sorcière. Et enfin, Zeus et Mnémosyne qui auront les neuf muses. Chacune représente un art. Calliope pour la poésie, Clio pour l'histoire, Erato la poésie lyrique, Euterpe la musique, Melpomène la tragédie, Polymnie l'art de la rhétorique et de l'écriture, Terpsichore la danse, Thalie la comédie et Uranie l'astronomie. Ensuite, les cyclopes et les hécatons il y a donc trois cyclopes nommés Brontès, Steropes et Argès, et trois hécatonchiens nommés Kotos, Briaré et Gies. Dans une quatrième partie, nous allons voir la troisième génération, avec Zeus, Héra, Poséidon, Estia, Hadès et Déméter. À noter que c'est la première génération de Joe Olympien. Sur cette image, on retrouve de gauche à droite pour le haut Aphrodite, Arès, Apollon, Zeus, Héra, Poséidon et Hadès, et pour le bas, toujours de gauche à droite. Eros, Athéna, Hermès, Déméter, Dionysos, Artemis et Perséphone. A noter que trois d'entre eux ne sont pas des dieux olympiens, c'est-à-dire ne résidant pas sur le mont Olympe. Il s'agit d'Éros, Hadès et Perséphone. Le douzième olympien manquant est Éphaïstos. On va commencer avec Zeus, alias Jupiter pour les romains. C'est le fils de Chronos et Réa et c'est un olympien. Il est le dieu du ciel et il est souvent représenté barbu avec un éclair à la main ou assis sur un trône. L'aigle est son animal et le chêne lui est consacré. Il devient le roi des dieux en renversant Cronos, son père. Pour cela, il utilise une ruse. Métis servit une boisson à Cronos qui le fit régurgiter les frères et sœurs de Zeus Hestia, Héra, Déméter, Poséidon et Hadès. Une fois libérés, ses frères et sœurs l'ont soutenu pendant la guerre contre les Titans, ainsi que les Écatonchires et les Cyclopes que Zeus libéra du Tartare où ils étaient emprisonnés. Sa seule épouse légitime est sa sœur Héra, mais il la trompe très souvent. Gaïa, sa grand-mère, lassée par le comportement de Zeus, poussa les géants à la révolte, ce qui donnera la bataille des géants, et elle les rendait immortels grâce à une herbe magique qu'elle produisait. Zeus ordonna alors au soleil de ne plus se lever, et ainsi l'obscurité entourant la terre, l'herbe ne pouvait plus pousser. Enfin Zeus est souvent pris comme arbitre pour rendre la justice, on verra un exemple avec Perséphone, cependant parfois elle délègue, on verra aussi un exemple avec Hermès concernant la pomme de la discorde. Ensuite Hera, alias Junon. C'est une Olympienne. C'est la sœur et l'épouse de Zeus avec lequel elle a quatre enfants. Arès, le dieu de la guerre, héphaïstos le dieu forgeron, Illissi, la déesse des accouchements, et Hébé, la déesse de la jeunesse. C'est la déesse de la famille et du mariage, néanmoins elle s'occupe assez mal du sien, car Zeus la trompe fréquemment. Elle est jalouse et rancunière, et elle est souvent représentée avec un pan, même si la vache et le lys lui sont également consacrés. Elle utilise sa fille Ilissi pour retarder l'accouchement de l'étau, la mère d'Artémis et d'Apollon avec laquelle Zeus avait eu une relation. Elle rend également aveugle Thérésias car Zeus et Hera avaient un désaccord. Ils se demandaient qui prenait le plus de plaisir entre un homme et une femme sexuellement. Thérésias, pris en arbitre, déclare que la femme prend plus de plaisir et donne donc raison à Zeus. Hera le rendit alors aveugle et Zeus lui donna le don de voir l'avenir en compensation. Enfin, une anecdote qui montre l'origine du pan. Zeus séduisit Io, mais Héra descendit de l'Olympe pour voir ce qu'il faisait. Il eut juste le temps de transformer la jeune femme en génisse. Mais Héra, se méfiant, demanda à Zeus que celle-ci lui soit offerte et Zeus accepta. Héra donna la génisse à garder au berger Argus. Celui-ci avait cent yeux et n'en fermait que cinquante. Il ne dormait donc jamais. Zeus ordonna à Hermès de délivrer Io. Celui-ci endormit Argus grâce à une flûte et le tua. Héra ramassa alors les cent yeux du berger pour les placer dans le ramage de son pan. Ensuite Poséidon, alias Neptune. C'est un Olympien. Il est le dieu de la mer et des tremblements de terre. C'est le fils de Chronoséréa et, et son épouse est amphitrite. Il est souvent représenté avec un trident, forgé par Héphaïstos et les Cyclopes, et les animaux qui lui sont consacrés sont le cheval et le taureau. C'est un dieu très puissant et très colérique. Il y a une anecdote avec Minos, le roi de Crète. Pour aider Minos à prendre le pouvoir, Poséidon lui envoya un taureau à sacrifier, mais Minos le trouvant trop beau, ne le tua pas. Pour se venger, Poséidon rendit sa femme Pasiphae amoureuse du taureau, et celle-ci s'accoupla avec le taureau. De cette union naquit le Minotaure, le taureau de Minos, que le roi cacha dans un labyrinthe construit exprès par Dédale. Parmi ses enfants connus, il y a Thésée, Orion et Polyphème, le cyclope qui a dévoré les compagnons d'Ulysse, mais Ulysse réussissant à s'échapper lui creva son unique œil. C'est donc pour cela que Poséidon déteste Ulysse. Ensuite, Estia, alias Vesta, c'est la fille aînée de Chronoséria. C'est la déesse du foyer et elle fait vœu de rester toujours vierge malgré les avances de Poséidon et d'Apollon. Elle manque de peu de se faire violer par Priape, le fils d'Aphrodite et de Genysos, mais Anan se mit à braire, réveillant ainsi la déesse, ce qui empêcha Priape d'atteindre son but. Pour la vénérer, un feu sacré brûlait dans son temple et les six vestales, les six prêtresses, devaient veiller à ce qu'il ne s'éteignent jamais. Elles devaient également jurer de rester toujours vierges, et si elles ne respectaient pas leur engagement, elles étaient enterrées vivantes. Réa Silva fut séduite par Mars, et elle donna naissance en cachette à Romulus et Rémus. Ensuite, Hadès, alias Pluton. C'est le fils de Réa et Cronos. Ce n'est pas un Olympien. C'est le frère aîné de Zeus et Poséidon, et il est le dieu des Enfers et vit dans le monde souterrain, ce qui explique que ce n'est pas un dieu olympien. Il prit Perséphone pour femme en la kidnappant alors qu'elle se promenait dans un jardin, et en fit sa reine des Enfers. Il porte un casque qui le rend invisible, c'est un cadeau des Cyclopes. Ces symboles sont donc le casque d'invisibilité et son sceptre. Il est aidé par Éac, Radamanque et Minos, qui sont les trois juges des enfers, et qui choisissent si un individu doit aller au paradis, c'est-à-dire dans les Champs-Élysées, ou en enfer, dans ce cas-là dans le Tartare. Il y a une anecdote avec Asepios, le fils d'Apollon. Ce dernier, fasciné par la médecine, reçue par Athéna du sang de Méduse. Le sang recueilli dans les veines gauches de la Gorgone était du poison, mais celui recueilli du côté droit permettait de ressusciter les morts. Il ressuscita Hippolyte, le fils mort de Thésée. Athès ayant peur de régner sur un royaume sans sujet, alla donc alerter Zeus qui foudroya le fils d'Apollon sur le champ. Il est aidé par le passeur Charon qui utilise un bateau pour traverser le Styx, le fleuve des enfers. Le Styx peut rendre invulnérable. Par exemple, la mère d'Achille le plongea dès sa naissance dans ce fleuve et tout son corps était invincible à l'exception de son talon puisque sa mère le tenait par son pied quand elle la plongeait dans le Styx. C'est donc la seule partie qui ne fut pas immunisée, d'où le célèbre talon d'Achille. Généralement personne ne repart des enfers, à l'exception d'Héraclès ou Orphée. Cerbère, le chien à trois têtes, est là pour cela. Ensuite Déméter, alias Cérès, c'est une olympienne. Elle est la fille de Chrono C'est la déesse de la terre cultivée et de la végétation, et elle est souvent représentée avec un épi de blé, même si les fruits et les légumes lui sont également consacrés, ainsi que le pavot et le porc. Sa fille Corée, rebaptisée Perséphone par la suite, fut enlevée par Hadès le dieu des enfers. Quand Déméter sut que son frère avait kidnappé sa fille, elle décida de ne plus faire croître les plantes, et cela apporta la famine aux hommes. Zeus dut donc intervenir et ordonna à Hadès de rendre sa fille, mais elle avait mangé des grenades en enfer entre-temps, et quiconque mange en enfer ne peut plus en sortir. Zeus fit donc un compromis. Elle pourrait passer six mois en enfer avec Hadès et six mois avec sa mère Déméter. Cela explique les saisons. En automne et en hiver, il n'y a pas de végétation, Perséphone est en enfer et donc Déméter privé de sa fille ne fait plus pousser la végétation. Et printemps et été, Déméter est avec sa fille Perséphone. Il y a donc de la végétation et des moissons. Ensuite, nous allons voir dans une cinquième partie la quatrième génération, avec Aphrodite, Apollon, Artemis, Arès, Athéna, Dionysos, Perséphone, Héphaïstos, Hébé et Ilyssie, et Hermès. Tout d'abord, Aphrodite. Aphrodite alias Vénus. C'est une Olympienne. Il y a une difficulté quant à sa naissance, elle est soit la fille de Zeus et de Dionée, ou alors c'est le résultat de la semence d'Ouranos lorsqu'elle fut répandue sur la mer et qui fit naître Aphrodite. C'est la déesse de la beauté et de la grâce. Elle est souvent représentée nue, et la myrhe lui est consacrée ainsi que le cygne et la colombe. Elle charme les dieux et les mortels, et elle est l'épouse du dieu boiteux Héphaïstos. Cette dernière le trompe très souvent avec Arès dont elle a plusieurs enfants, dont Eros alias Cupidon le dieu de l'amour. Elle gagne la pomme de la discorde. Dans cette histoire, les parents d'Achille mirent sur une table une pomme destinée à la plus belle. Athéna, Héra et Aphrodite se battèrent pour cela. Zeus, refusant de les départager, confia à Hermès la mission de faire choisir Paris. Héra lui proposa le pouvoir, Athéna lui promit une vie de sagesse et l'invincibilité au combat, et Aphrodite lui promit Hélène, la plus belle femme au monde, ce qui déclenchera d'ailleurs la guerre de Troie vu qu'Hélène était la femme du roi de Sparte, Ménélas. Elle a aussi une histoire avec Adonis, Adonis était le fils de Myra, qui une fois enceinte voulait fuir son père et demanda aux dieux de la protéger. Les dieux la transformèrent alors en arbre à Myrrhe. Mais celle-ci étant enceinte, Adonis naquit de l'écorce de l'arbre. Aphrodite le recueillit et le confia à Perséphone pour que celle-ci l'élève. Mais Perséphone ne le rendit pas le jour convenu. Zeus dut donc intervenir en laissant Adonis passer quatre mois avec Perséphone, quatre mois avec Aphrodite et quatre mois avec celle de son choix par année. Adonis passa toujours huit mois avec Aphrodite et quatre mois avec Perséphone. Il fut plus tard tué par Ares qui lança un sanglier contre lui. Ensuite, Apollon. Apollon, alias Phoebus, c'est un Olympien. C'est le fils de l'éto et de Zeus, et il est le jumeau d'Artémis. Il est le dieu de la lumière, mais aussi le dieu des médecins. D'ailleurs, son fils avait trouvé un moyen de ramener les morts à la vie, nous l'avons déjà vu. C'est également le dieu des prophéties. Il tua le python, et en souvenir, il nomma la prêtresse de son temple, la Pythie. Elle était destinée à dire les oracles. C'est aussi le dieu des arts et surtout de la poésie et de la musique. Ses attributs sont la lyre, qui lui a été offerte par Hermès, son demi-frère, ainsi qu'un carquois rempli de flèches d'or. Le loup et le corbeau, l'oiseau des prophéties, lui sont également consacrés. laurier lui est aussi consacré suite à son histoire avec la nave d'Anaé, celle-ci repoussa ses avances et Apollon la transforma en laurier en punition. Et également la princesse Coronis, qui lui avait été infidèle, mais il sauve son fils Assepios avant qu'elle ne meure. Enfin, il y a une histoire avec Cassandre, il lui apprend l'art de la prophétie, mais elle repousse quand même ses avances. En punition, Apollon la condamne à n'être jamais crue. D'ailleurs, personne ne l'a crue lorsqu'elle prédit la chute de Troie. Ensuite, Artemis. Artemis alias Diane, c'est une Olympienne. C'est la fille de Leto et de Zeus, et elle est la sœur jumelle d'Apollon. C'est d'ailleurs son aîné, puisque dès sa naissance, elle aide sa mère à accoucher de son frère. C'est la déesse de la Lune, contrairement à Apollon qui est le dieu du soleil. C'est la déesse de la nature et de la chasse. C'est pour ça qu'elle est souvent représentée avec une tunique courte, un arc et des flèches en argent. Son animal est la biche. Elle fait vœu de rester toujours vierge. Et c'est une déesse très colérique. Actéon, qui la surprend dans son bain, subit sa colère. Elle le transforme en cerf et il se fait dévorer par ses propres chiens. Orion, un géant, qui est le fils de Poséidon et qui savait marcher sur l'eau grâce à son père et qui l'avait violé. Pour se venger, elle lui envoya un scorpion pour le tuer. Et enfin Callisto, la suivante d'Artémis, fut également punie. Artémis la transforme en ours quand elle s'aperçut qu'elle attendait un enfant de Zeus. Ensuite Arès. Arès alias Mars. C'est le fils d'Héra et de Zeus et c'est le dieu de la guerre. C'est un Olympien. Il a des enfants avec Aphrodite suite à une relation adultère. Démos la terreur, Phobos l'effroi, Harmonie et Eros l'amour. Il est souvent représenté avec un casque une cuirasse, et une lance ou une épée et un bouclier. Le vautour, l'oiseau qui vole au-dessus des champs de bataille, lui est dédié. Le dieu de la guerre sanglante, car la guerre stratégique est plus représentée par Athéna, sa demi-sœur, que nous allons voir tout de suite. Athéna, alias Minerve. C'est une Olympienne. C'est la fille de Métis et de Zeus, et elle a une naissance particulière puisque Zeus avait avalé sa mère Métis. Elle naquit donc de la tête de Zeus où elle sortit adulte et armée. C'est la déesse de l'intelligence et de la stratégie guerrière, mais également la déesse des innovations technologiques. Elle est souvent représentée avec un casque et un bouclier rond, et la chouette est son animal qui lui est dédié ainsi que l'olivier. Athéna s'est battue avec Poséidon pour la ville d'Athènes. Athéna gagna. Poséidon fit surgir une source d'eau et Athéna un olivier. Le peuple choisit Athéna pour la prospérité et l'agriculture, ce qui explique que l'olivier lui soit consacré. C'est la déesse de la guerre, mais une guerre réfléchie. Contrairement à son demi-frère Arès, qui est le dieu de la guerre violente uniquement. Comme Artemis, sa demi-sœur, elle fait vœu de chasteté, et elle est la protectrice de nombreux héros, comme Ulysse, Persée, Jason ou encore Héraclès. Cependant, lorsqu'elle surprend Méduse et Poséidon en train de flirter dans son propre temple, celle-ci maudit Méduse en transformant ses beaux cheveux en serpent, et chaque personne la regardant dans les yeux serait changée directement en pierre. Ensuite, Dionysos. Johnny alias Bacchus, c'est un olympien. C'est le fils de Zeus et s'est mêlé une mortelle. Alors, est-ce un dieu ou un demi-dieu Eh bien, c'est un dieu car sa mère a crié à qui voulait l'entendre qu'elle avait une liaison avec Zeus et que Zeus était donc le père de son enfant. Pour le prouver, Zeus dut donc venir sur Terre. Mais dès son apparition, s'est meurt soudainement et Zeus plaça alors le fœtus dans sa cuisse et les qualités nutritives du sang de Zeus eurent pour effet que l'embryon atteignit vite la maturité et l'enfant sorti de la cuisse de Jupiter est alors devenu immortel, d'où l'expression sortir de la cuisse de Jupiter. Dionysos descendit plus tard aux enfers pour libérer sa mère, et Hadès accepta de lui rendre s'il lui donnait un objet auquel il tenait. Dionysos lui donna le mire et il put ainsi repartir avec ses mêlées. Dionysos est le dieu de la vigne et du lyre, mais il est également le dieu de la folie. Il est représenté couronné de vigne et de lyre, avec dans sa main un bâton entouré de vigne, le thyrs, avec lequel il tua Eurytos lors de la guerre des dieux contre les géants. Il est souvent représenté avec une robe et une barbe, et la panthère lui est consacrée puisqu'il les apprivoisait. Il est exilé par Zeus dès sa naissance, mais revient sur l'Olympe par la suite. Il est ami avec Pan, le fils d'Hermès, et il est également ami avec un satyre, Ampélos, mais celui-ci meurt lors d'une chasse piétinée par un taureau. La moire qui coupe le fil de la vie se laisse alors attendrir par la détresse de Dionysos et métamorphosa Ampélos en pied de vigne pour que Dionysos le retrouve en buvant du vin. Depuis ce jour, Dionysos est associé au vin puisqu'il se donne pour mission d'apprendre aux hommes à presser le vin pour que son ami demeure dans chacun d'eux. Ensuite, Perséphone, alias Proserpine, c'est la fille de Déméter et de Zeus. Son vrai nom est Corée, mais elle se fait appeler Perséphone dès l'instant où elle devient la reine des enfers puisqu'Hadès l'a enlevée dans ce but. Grâce à un compromis, elle passe six mois avec Déméter et six mois avec Hadès dans le royaume des enfers. Et enfin, elle se partage Adonis avec Aphrodite même si elle ne le voit que quatre mois par an. Ensuite Héphaïstos. Héphaïstos alias Vulcan, c'est un Olympien. C'est le fils d'Héra et de Zeus. C'est le dieu forgeron. Et le dieu des métaux. Il travaille dans un volcan avec les cyclopes pour former les armes des dieux. Notamment les éclairs de Zeus, le trident de Poséidon et le casque d'invisibilité d'Hadès. Il est représenté barbu et habillé en forgeron avec son marteau le plus souvent. C'est le dieu boiteux. Il fut jeté de l'Olympe par Héra dès sa naissance, car elle le trouvait laid, et fut recueilli par Tétis et Eurynomée qui l'élèvent pendant neuf ans mais celui-ci revient sur l'Olympe grâce à un piège. Il envoya un trône en or sur l'Olympe où il avait caché des chaînes invisibles qui enchaînèrent Héra lorsqu'elle s'installa dessus et les dieux durent l'appeler à l'aide. Il est l'époux officiel d'Aphrodite mais il la piège, se doutant de son infidélité il la piège elle et son amant Arès grâce à des filets invisibles. Enfin, on dit que c'est lui qui créa Pandore selon les instructions de Zeus. C'était une femme irrésistible qui épousa Epiméthée, le frère de Prométhée. Pandore ouvrit la boîte de Pandore, alors que cela lui était interdit, et libéra ainsi les mots que Zeus avait enfermés à l'intérieur. L'envie, la maladie, la guerre, la mort. Mais Pandore referma la boîte à temps avant que l'espoir ne sorte, qui explique que nous gardons toujours espoir même dans les moments difficiles. Ensuite, Hébé, alias Juventas, c'est la déesse de la jeunesse. Elle est l'épouse d'Héraclès dans le ciel, et c'est elle qui servait le nectar et l'ambroisie qui permettaient au dieu de ne pas vieillir et d'être immortel. Ensuite, Ilyssi, alias Hélésia, c'est la déesse des accouchements. Héra lui ordonne d'empêcher la naissance des enfants illégitimes de Zeus. Et enfin, Hermès. Hermès, alias Mercure, c'est un olympien. C'est le fils de Zeus et d'une nymphe nommée Maya. Il est le dieu du vent. Le dieu messager est le dieu des voyageurs mais il est aussi le dieu des voleurs. Il est notamment chargé de conduire les âmes des morts jusqu'à Hadès. C'est un dieu très rusé. Dès sa naissance, il s'arrange pour Kérol à en se faisant passer pour Arès et une fois qu'elle lui a elle n'eut plus le cœur de le repousser. Ses attributs sont ses sandales ailées et un caducée. Suite à une dispute avec Apollon, il lui offrit une lyre qu'il avait créée dès sa naissance en tuant une tortue et en utilisant sa carapace et ils firent la paix. Il est chargé par Zeus d'emmener Héra, Aphrodite et Athéna auprès de Paris. C'est l'histoire de la pomme de la discorde gagnée par Aphrodite. Il est le père du dieu Pan et d'Hermaphrodite qu'il a avec Aphrodite. Hermaphrodite avait un corps de femme mais un sexe d'homme. Enfin, il sauva Zeus lors du combat contre le Typhon. C'était le fils de Gaïa et du Tartare. Le Typhon avait tranché les tendons de Zeus et Hermès les récupéra et les remit en place. Grâce à cela, Zeus put battre le Typhon. C'est donc la fin de cette vidéo, en espérant que tout cela était bon à savoir, et je vous dis à la prochaine.